C'est très très proche et c'est un sport qui est près de la nature, de la nature humaine et de la nature. Donc on est réellement dans le physique par rapport au milieu naturel. Et là, je voudrais simplement saluer le travail des remontées mécaniques qui ont fait quasiment un terrain plat à la montagne. C'est quand même très rare et c'est un magnifique travail de damage qui a été fait pour pouvoir vous accueillir et accueillir toutes les équipes. Et que les meilleurs gagnent. Deux métiers s'il en est, on monte en marchant, on rentre doucement. Thierry Louvet toujours aussi généreux. Oui, belle claquette, et Yann Deleg qui file au milieu des perches. Ah, la fin de passe, on prend le trou. Oh, ça va vite, et le relais derrière. Magnifique. Voilà. Ça profite ou pas? Oui, on laisse l'action se poursuivre, ça profite au rouge. Attention, oui, le décalage parfait. Et l'essai de Raphaël Poulain semble. Dans ce tour d'assistation à l'introduction, le côté fermé, la Chistera, Dominici qui va relancer. Dominici qui est soutenu par ses partenaires. On va tenter de créer une surnombre pour Valmorel. On tente de gratter la balle. De l'équipe Bonal, chip duel de cette journée. C'est quoi, c'est la neige ou la Allez, attention, il y a le feu. Voici l'entrée des deux équipes. On laisse Franck Combat qui va tenter un petit côté. Belle défense de Christian Labitte à hauteur pour empêcher le ballon de jouer. La technique du troisième ligne. On ceinture l'adversaire pour l'empêcher de jouer, passer après contact. On n'est pas très lourd pour la plupart, ils vont essayer de nous bloquer en haut, ils l'ont fait une fois ou deux. Dès qu'on arrive dans la défense, soit on peut faire jouer s'il y a de la place, soit on passe par le sol trop vite, on est plus léger qu'eux, on passe par le sol. Les ballons, ils peuvent filer jouer après. Reprenez l'espace. On écarte derrière, la famille est vraiment parfaitement disposée. Voilà Marquis, qui s'apprêtait à couper en deux. L'un de ses adversaires s'est légèrement retenu, hop, et qui plonge dans les pattes de cette gazelle bleue. Bloque le ballon, Titi. La balle verte, oui. La balle est récupérée. Et ça va jouer là-bas sur un 2 contre 1 magnifique avec Franck Combat. Ah, malheureusement. Perte de contrôle du ballon. Ça profite pour les menuirs. Philippe Bernatchal qui vient de trop. Le trou de Christian Labitte. Magnifique combinaison. Et Dali qui percute. Dali qui arrache tout sur son passage. Oh, attention, la balle est jouable, les Verts vont tenter quelque chose. Et l'essai qui semble validé, monsieur l'arbitre, sur la cloche, quasiment les dernières secondes, l'écart se réduit. Vous allez retrouver l'équipe de Saint-Gervais. Attention pour la conclusion de cette soirée. Le deuxième ligne international aux 54 sélections, Jérôme Thion. Il jette un coup d'œil à gauche, à droite, il fixe. Il rafute Olivier, il arrive à résister. Oh, magnifique combinaison là-bas, ça va aller très vite avec la rague. Comme un avion, tu t'envoles. Il va encore être capable de retourner, de renverser la situation. Voyez le Lambert qui décale la balle en deux santé. Merci messieurs. Jérôme Thion encore, insatiable. Olivier Magne qui cause du terrain. Olivier Magne qui file. Oh, magnifique, on l'a vu pour le Saint-Gervais. Jérôme Thion encore qui glisse. Et là, on file droit, Et on envoie les solides. Allez, l'ouvrez, les supporters, du coup, il faut. Il y a Lindenberg qui est un peu isolé, a besoin de soutien. Voilà le Kevin du Terminard. Très belle image de rugby, bravo à eux. Et on va pas tarder pour lire l'homme du tournoi quand même. Voilà le MVP, le meilleur joueur. Et oui, ce soir, échouer chez eux avec leurs supporters, il était important pour nous de relever le défi. On finit par un match nul, c'est mérité, je pense. Bravo à Saint-Gervais, bravo au public. Bravo Serge Bessène qui récompense.